Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D 143. 12 joueurs ont rejoint la tanière. C'est lundi 21 mars 2022, en prévision de la phase de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Parmi ces nouvelles arrivées, on retrouve Cédric Bakambu, Théo Bongonda et Shadrack Akolo. Suivez l'ambiance de leur arrivée à l'aéroport international de N'djili. C'était là l'ambiance à l'arrivée des fauves congolais, alors que la Fédération congolaise de football avait annoncé à ses joueurs pour la journée du lundi. Il faut dire que seulement 12 ont rejoint la tanière, ont regagné donc Kinshasa dans la soirée. Les 4 autres qui étaient annoncés pour la soirée d'hier lundi sont Gaël Kakuta, Niskan Skebano, Chancel Mbemba et Samuel Moutoussami, qui n'ont pas pu effectuer les déplacements. D'ailleurs, ils vont effectuer ces déplacements pour ce mardi, sauf Samuel Moutoussami, qui est annoncé forfait pour la double confrontation face au Lion de l'Atlas du Maroc, blessé samedi lors de la réception des Lille par la formation du FC Nantes pour le compte de la 29e journée de la Ligue 1 française. Moutoussami sera éloigné de terrain pour 4 semaines. L'international congolais souffre d'une entorse de la cheville droite et il ne pourra pas participer à la double confrontation qui cadre avec le barrage de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Ce sera contre le Lion de l'Atlas du Maroc, le Léopard, qui joueront donc contre les Lions de l'Atlas du Maroc lundi soir. Comme nous sommes en train de le dire, 12 joueurs sont arrivés dans la capitale congolaise. Il s'agit des gardiens des buts Joël Kiasumbwa et Lionel Passy, des défenseurs Vital Nsimba de Clermont Foot en France, Glody Ngonda
Ikoko, Jordan et Chris Mavinga et de milieu de terrain Edo Kayembe, Samuel Bassian, Merveille Bopé et des attaquants Chadrack Akolo, Cédric Bakambu et Théo Bongonda. Vous le savez, Pili Panzou était déjà à Kinshasa, tout comme Dieu merci Mbokani lui qui est à Kinshasa depuis le week-end. D'ailleurs, il a participé à cette, il a même vécu en direct du stade de Martyr cette rencontre qui a opposé le tout-puissant Mazembe, la formation d'Otoyo de Brazzaville pour le compte sûrement de la poursuite de la Coupe de la Confédération. Et bien donc, le vice-capitaine de Léopard, Dieu merci Mbokani, qui est déjà lui à Kinshasa et qui s'est acclimaté, tout comme Peli Panzou d'ailleurs, qui est en train de célébrer son anniversaire aujourd'hui. Le milieu à défensif congolais qui est déjà à disposition du staff technique, comme nous sommes en train de les dire. D'autres joueurs vont arriver à ce mardi. Déjà, les trois que nous sommes en train d'annoncer arrivent à Kinshasa dans le qui suivent. Il s'agit de Gael Kakuta, Niskan Skebano et Chancel Mbemba. Hector Cooper pourra effectuer les premières séances d'entraînement dans les heures qui suivent. Eh bien, il aura à sa disposition 27 joueurs et non 28, parce que nous venons de les dire. Samuel Moutoussami est donc déclaré forfait pour la double confrontation face au Lion de l'Atlas du Maroc. On rappelle les dates, le Léopard d'ARDC recevront le Marocain le 25 au stade de Martyr à partir de 16 h de Kinshasa et 17 h de la partie orientale du pays. Ce sera pour le compte de la manche aller de cette phase des barrages, de ces éliminatoires de la Coupe du Monde à Qatar 2022. Et puis il y aura ce match retour le 29 mardi 29 mars 2022 au stade de Mohamed V à Casablanca, la RDC qui sera par la formation du Maroc. Deux matchs très importants et les deux équipes qui se doivent de sortir les grands jeux. Et pour la RDC, sortir les grands jeux, ce sera d'abord enregistrer une victoire à domicile avant de négocier le match retour. Vous le savez, l'enjeu est la qualification à la Coupe du Monde. Et 48 ans après, la RDC cherche encore cette deuxième qualification qui restera historique. Voilà pourquoi même il y a cette forte mobilisation, cette forte émulation autour de l'équipe nationale. Eh bien, Serge Kondé, ministre national des Sports et Loisirs, qui est en train de mobiliser toutes les couches pour apporter ses soutiens importants au Léopard de la République démocratique du Congo pour pousser l'équipe nationale à arracher cette qualification face au Lion de l'Atlas du Maroc. Le week-end, Serge Kondé a reçu les anciens Léopards qui, eux, également vont accompagner l'équipe nationale, comme ce fut le cas avec le musicien qui ont sorti d'ailleurs une chanson à l'honneur de ces deux rendez-vous très importants qui cadrent avec sûrement à la phase de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. Vous le savez, 5 places sont réservées au continent africain et ça va se jouer entre du pays. Et pour la RDC, le mur reste le Maroc. Il faudra sortir le Maroc pour sûrement prétendre à une quelconque qualification à la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu au mois de novembre prochain au Qatar. La RDC qui va peaufiner avec la préparation, le staff technique qui a déjà à disposition l'essentiel du groupe. Et donc, les séances d'entraînement vont se suivre pendant ces 4 jours avant le premier rendez-vous vendredi à 16 h heure de à Kinshasa pour le compte de la manche aller de ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 à Francfort-Décembre.
43 va vous accompagner tout au long de cette semaine avec des informations qui concernent l'équipe nationale, qui concernent l'évolution des arrivées des joueurs, mais aussi l'entraînement des joueurs. Laissez vos avis en commentaire et toutes vos questions. Nous nous ferons le plaisir d'y répondre. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro-Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.